Nouvelle édition d'information sur la télévision Lavari, deux titres. Un premier pas sur la lumière de l'affaire dite 400 milliards de francs CFA qu'aurait laissé l'ancien président de la République dans les caisses de l'État. Tanja Amadou s'est prononcé ce matin, l'intégralité de sa version dans ce journal. Areva doit augmenter ses recettes fiscales tirées de l'exploitation du l'uranium nigérien. C'est l'exigence de 52 structures de la société civile. Elles ont organisé ce matin un grand meeting à la place de la concertation. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Près de 4 ans après la chute de son régime, l'ancien président de la République, Tanja Mamadou, s'est exprimé face à la presse nationale et internationale pour la première fois aujourd'hui. Au centre de ce point de presse, l'affaire des 400 milliards de francs CFA qui défraient l'actualité. Tanja Mamadou a tenu à éclairer les Nigériens relativement à cette affaire. Le point avec nos reporters Hassan Saleh Moustapha et Ibrahim Amadou. C'est la première sortie médiatique de l'ancien président de la République Mamadou Tanja après 3 ans, 11 mois, 18 jours. Il est sorti pour rompre avec le silence et pour la seule raison, éclairer les Nigériens sur l'affaire des 400 milliards laissés après le coup d'état du 18 février 2010. Une affaire qui a suscité des vives réactions. D'abord celle du ministre de la Justice, puis la réaction du procureur de la République et de l'avocat de Tanja, et enfin celle des acteurs de la société civile. Eh bien, Tanja Mamadou, très serein, apporte ses précisions. Allah da abin sa masu hannu da shuni sun tara kamar miliyar 300 a bankin Jadda, bankin Islamiya ta development, suna Jadda. Ba a aljihu na suke wa gindin gado na suke ba Jadda suke. Na biyu kenan wato kusan miliyar 100 ne za a bada lissafin su inda suke. To shine a duba waɗannan abubuwa na OPVN da abun da suke taimaka duka a kayayyakin noma da suke central da provisionnement kawai waɗannan a yi min su jimillansu kuma a haɗa duka mu gani in ba maganan da nake cewa in ba haka ba ne to wannan a nan cikin gidana, a nan cikin ofis ɗina, a nan cikin falona, mun ka yi magana da mutanen jam'iyyarmu da sun ka zo daga tawa, mun ka tabbata musu mun yi aiki don ga guda za mu gutsura a ciki abinda ya shafi kaman wato talaka mutumin karkara duka, kuma ba na karkara ba, duk 'yan Nijar bai zama a nan birni. Yau in buhu an ka ce hatsi jika 30 ne, hankalin mai gida duk tashi yake. La procédure judiciaire en cours relativement à cette affaire poursuivra-t-elle ou pas? En tout cas, le concerné vient d'indiquer la piste des 400 milliards qu'il aurait laissé. Il revient désormais aux investigateurs d'aller vérifier pour confirmer ou infirmer l'annonce des 400 milliards faite par l'ancien président de la République, Tanja Mamadou, dans un enregistrement sonore. Vous suivrez à la fin de ce journal l'intégralité de ce point de presse animé par l'ancien président de la République, Tanja Mamadou, qui a apporté des éclaircissements sur cette affaire dite des 400 milliards de francs CFA.
Autre fait de l'actualité de ce jour, les structures de la société civile unie pour la défense des intérêts du Niger ont organisé un grand meeting ce matin à la place de la concertation. Les manifestants ont une fois de plus manifesté leur mécontentement contre, d'une part, l'opacité qui entoure les négociations en cours entre Areva et le gouvernement du Niger, et d'autre part, exiger le respect du code minier de 2006 dont Areva refuse l'application. Malgré l'interdiction de la marche par l'autorité municipale et la campagne d'intoxication de boycott menée par des médias publics et certains du privé, plusieurs centaines de personnes ont répondu présents à l'appel de 52 structures de la société civile unies pour la défense des intérêts du Niger. Un combat juste, légitime, réaffirmé par les organisateurs qui ont lancé un appel au président de la République. Au regard de tout ce qui précède, nous, structures de la société civile unie pour la défense des intérêts du Niger, restons plus que jamais mobilisés pour défendre la souveraineté de notre pays et lutter pour une meilleure rentabilité de nos ressources naturelles et une bonne utilisation des revenus qu'elles engendrent. Nous profitons de cette tribune pour lancer un vibrant appel au président de la République, Son Excellence Issou Mahamadou, qui a solennellement exprimé sa volonté de rééquilibrer le contrat minier et pétrolier en faveur du Niger. Ce qui serait la traduction dans les faits de son serment à défendre l'indépendance et la souveraineté de l'État du Niger. Le combat pour la défense des intérêts du peuple nigérien ne fait que commencer et concernera également l'or qui nous a été volé et pillé pendant 10 ans par SEMAFO, qui n'a versé à l'État aucun dividende jusqu'à son retrait du capital de la SML, sa réhabilitation de l'environnement détruit, et dans le secteur du pétrole caractérisé par une violation quotidienne des droits humains et du travail et la corruption. Nous vous exhortons donc à vous mobiliser davantage pour que cette lutte triomphe, car Dieu le Tout-Puissant est toujours du côté des justes et des faibles. Face au refus d'appliquer la loi minière 2006 par Areva, les manifestants ont scandé des slogans « Abat Areva, l'uranium appartient au peuple nigérien ». Le président du mouvement citoyen a tiré la sonnette d'alarme. Le pays va mal, il va très mal, il est même vendu. Vous avez entendu le ministre de l'Intérieur. Ça, c'est vrai. Il est vendu, le pays. Le ministre de l'Intérieur a vendu le pays. Il a dit, la base française est là. La base française est là, il dit depuis 2 ans. La France est dehors. C'est bon de le savoir et cela est très grave. Le ministre de l'Intérieur a dit des choses très graves. Il faut que tout le monde le sache. Les élucubrations des uns et des autres ne doivent pas décourager. Ne doivent pas décourager ceux qui croient à quelque chose. Ce combat est un combat citoyen. Nous devons le faire, on doit s'engager tous. Il faut absolument que chacun s'investisse dans ce combat. S'agissant de la forte mobilisation freinée par une presse à la solde du pouvoir et certains démons du pouvoir, les structures de la société civile ont décidé de passer à la vitesse supérieure dans les prochains jours. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont tenu à faire le déplacement d'aujourd'hui. Malgré les menaces et les intimidations, nous tenons à dire à ceux qui disent que nous sommes manipulés, oui, nous sommes manipulés. Nous sommes manipulés par la faim qui guette les Nigériens. Nous sommes manipulés par le rang de dernier mondial en matière d'indice de développement humain de notre pays. Nous sommes manipulés par le fait que le Niger ne profite en rien de ses ressources naturelles. Je crois que si elles aussi peuvent être manipulées par les mêmes causes, nous serions ensemble à cette place aujourd'hui. Et qu'ils trouvent ici la réponse de leurs injures. Nous sommes plus que déterminés à continuer la lutte pour que les ressources naturelles du sous-sol profitent à notre pays. Nous ne serons ni découragés par des insultes ou des intimidations. Le peuple nigérien est debout pour arracher sa liberté, confisquée par 40 ans d'exploitation de notre uranium. Nous sommes plus que déterminés les jours qui viendront
à sortir pour encore dire qu'il faut que les ressources naturelles profitent à notre pays. Le noble combat pour la défense des intérêts du peuple nigérien, les structures de la société civile sont donc en avant-garde pour exiger le respect de la législation nationale en vigueur dans le secteur minier, notamment la Constitution et le Code minier de 2006, dont Areva refuse l'application sur les négociations en cours entre l'État nigérien et le groupe nucléaire. Et reste toujours au niveau de la place de la concertation qui a enregistré une forte mobilisation de Nigériens, des citoyens bien sûr conscients que la lutte contre Areva, il faut resserrer les rangs, contrairement à ce que pense une certaine catégorie d'individus à la solde du pouvoir en place. Le reportage est signé Souleymane Barman. C'est une société civile engagée à mettre le Niger dans ses droits qui s'est mobilisée à la place de la concertation pour dénoncer une fois de plus l'opacité qui entoure les négociations Niger-Areva. Le partenariat entre les deux parties devait se faire sur des nouvelles bases depuis le mois de janvier 2014, au lendemain de l'expiration du contrat qui lie le groupe nucléaire français à l'État du Niger. Malheureusement, le processus traîne. C'est pourquoi les citoyens nigériens qui estiment que l'application de la loi 2006 est plus que jamais nécessaire ont répondu par leur présence à cette manifestation des structures de la société civile unie pour la défense des intérêts du Niger. C'est parce que d'abord je me sens nigérien, je me sens citoyen et je pense que j'ai un certain nombre de droits à défendre dans ce pays-là. Vous n'êtes pas sans le savoir que Areva, elle a dépassé les limites et on dit l'accès de tout est nuisible. C'est pourquoi aujourd'hui les Nigériens ont pris conscience et ils ont décidé de prendre les responsabilités. Ça n'a pas débuté aujourd'hui. Les étudiants ont marché depuis l'année passée et ainsi de suite. Donc nous voulons quand même, par tous les moyens qui... Pas même Areva, la France même respecte ce pays. Parce que c'est un problème qui est là depuis l'époque coloniale. Les gens nous ont colonisés et ils continuent à penser que jusque-là, nous sommes à l'époque coloniale. C'est une manifestation significative pour tous les Nigériens. Tous les Nigériens doivent se manifester pour dire non à Areva et au respect de la loi là. Parce que vraiment, Areva nous a exploités, ça fait combien d'années et on est là pour dire non. Donc nous sommes venus soutenir la société et nous sommes tous unis pour que cette lutte la gagne. La femme a beaucoup milité pour la démocratie au Niger et Inch'Allah, la femme va soutenir et on va faire tout pour que ça marche. Je félicite également les manifestants, ceux qui ont organisé en fait cette manifestation. Cela devrait être un truc... spontané tous les jours. On ne devrait pas laisser au moins une semaine ou deux mois pour organiser ce genre de choses-là. Pour que les Français et tout le monde puisse savoir que les gens en ont marre de ce genre de choses. Les anciens accords devraient véritablement sauter pour que le continent africain puisse véritablement profiter de ces ressources. Bien que ce combat contre l'entêtement du groupe Areva a toujours eu un caractère patriotique pour les citoyens avertis, une autre catégorie de Nigériens, notamment les plus enfermés dans leur cercle politique, estime que les structures de la société civile unie pour la défense des intérêts du Niger jouent la carte des opposants du régime en place. Une accusation rejetée en bloc par les manifestants. Ce sont des histoires. Ici, il y a tout le monde, il y a les enseignants, il y a tout le monde. Et il n'y a pas de parti, il n'y a rien. Nous, ici, on est venus pour lutter pour la cause du Niger. Il n'y a aucun parti qui nous a poussé. Ça là, c'est un sursaut national. L'opposition, la mouvance, tout ça là, on met ça dans le placard. On essaie de faire ça une lutte nationale. Je pense que vous-même, les journalistes, vous ne devez pas poser ce genre de questions aux positions majorité. C'est là le problème. Ça, c'est un truc national. On n'a rien à voir avec majorité ou ça, ça les regarde. Leur guerre politique, c'est pour eux. Nous, le peuple nigérien, on voulait vraiment... C'est ça qui manquait au Niger. Hein. C'est ce genre de combat-là qui manque au Niger. C'est pourquoi les gens, aujourd'hui, ils sont victimes de ce genre de choses-là. Il faut regarder tout autour de vous. Quel est le pays qui a des problèmes par rapport à ce genre de choses-là? Ils ont entamé ça depuis longtemps. Moi, je pense que les guerres politiques, je n'ai rien à voir avec l'opposition ou bien la mouvance présidentielle. L'essentiel, c'est le peuple nigérien. Je soutiens le peuple nigérien, donc je suis un pur produit. Nous sommes en démocratie, chacun a son point de vue. Les gens peuvent penser comme ils veulent. S'ils pensent que la société civile est manipulée pour déstabiliser le pays, ça, c'est leur problème. Moi, je n'ai pas
une tendance à faire telle ou telle chose. Je suis ici en tant que Nigérien et je pense qu'Areva est en train de dépasser les limites et il faut qu'on mette quand même un blocus pour cette société-là. Moi, je pense que tout Nigérien conscient sait que le Niger a besoin d'une lutte. D'ailleurs, même le Niger a besoin d'une révolution. C'est ça que les gens ne veulent pas entendre. Mais il faut, s'il vous plaît, revenir pour défendre l'intérêt du Niger. Nous, c'est tout ce qu'on a besoin. Nous, déjà, nous sommes une génération sacrifiée. S'exprimant sur la question uranifère du Niger, le gouvernement français a déclaré légitime les revendications des autorités de la 7e République. Et même si cette prise de position de l'État français donne raison à la société civile nigérienne, cette dernière se doit d'être prudente jusqu'à l'aboutissement des processus. Quant au zèle de certains de nos confrères sur cette question d'intérêt général, ne doit pas également être considéré par les défenseurs de la souveraineté nationale, car il est connu de tous, cette catégorie de médias n'a aucune crédibilité aux yeux des Nigériens. Retour sur l'actualité politique réunie en session extraordinaire ce jeudi 6 février 2014 à l'effet d'examiner la situation sociopolitique de notre pays suite aux propos tenus hier par le ministre en charge de l'Intérieur Hassim Massaoudou sur RFI. Le bureau politique national du Modène FA Lumen Africa a réagi à travers une déclaration cet après-midi. Comme le MNSD Nassara, le parti de Mamadou exige le départ pur et simple du ministre de l'Intérieur Hassim Saoudou et annonce qu'il a décidé de porter plainte contre lui. La déclaration est lue par Soumane Sanda, il est membre du bureau politique du parti Lumana. Après son message radio interdisant toute manifestation de l'opposition politique, M. Massoud Hassoumi vient de récidiver en tenant des propos d'une gravité extrême sur une chaîne de radio internationale, indexant nommément le président Hama Amadou sur des questions que le sens des responsabilités d'État nous commande d'aborder avec délicatesse. Du reste, la sortie médiatique du ministre de l'Intérieur, politiquement incorrecte et moralement indécente, ne surprend guère au Niger, tant le personnage est connu pour sa mégalomanie, son narcissisme et le mépris légendaire qu'il porte pour ses semblables. Ces propos inqualifiables viennent opportunément confirmer que le gouvernement de Issoufou Mahamadou est un gouvernement pyromane, toujours prêt à mettre le feu là où la responsabilité d'État commande de privilégier la modération, l'appel au calme et à l'unité nationale. En vérité, les propos incendiaires, irresponsable et proprement scandaleux de M. Massoud Hassoumi doivent être compris comme la preuve de la légèreté et de l'inconscience d'un pouvoir sans repère qui est aveuglé par un seul objectif, débarquer le président Hama Amadou de la présidence de l'Assemblée nationale et l'isoler par tous les moyens, comme si c'était là le coup de baguette magique qui contribuera à réaliser le bien-être promis aux Nigériens. Aussi, tout en s'insurgeant contre la banalisation de cette question très sensible sur laquelle les Nigériens ont su dégager le consensus nécessaire depuis plus de 50 ans, le Modène FA Lumana Africa affirme que la tactique de diversion choisie par le président de la République et son clan ne marchera pas. Ces échecs sont patents et rien ne nous détournera des vrais sujets de préoccupation nationale. On veut nous divertir en masquant l'incapacité du régime à répondre aux problèmes quotidiens des Nigériens que sont la chérité de la vie, l'insécurité, la garantie des services sociaux de base, du minimum vital et de la famine. On veut nous divertir en s'évertuant de manière machiavélique à détourner l'attention des Nigériennes et des Nigériens des questions poignantes liées aux prêts congolais, aux négociations avec Areva ainsi qu'aux prêts Exim Bank sur lesquels les Nigériens témoins de la vive contestation du gouvernement découvrent avec consternation la réalité des faits. Est-il vraiment acceptable de banaliser la problématique de l'unité nationale qui nous est si chère au point de l'inviter dans nos rhétoriques politiciennes? Est-il vraiment acceptable qu'un membre du gouvernement
s'exprime à travers des accusations graves d'ethno-régionalisme et de sédition contre des grands responsables politiques et d'hommes d'État sur des médias étrangers, s'il vous plaît. Nul au Niger ne peut comprendre et accepter aujourd'hui que l'on accuse le moderne FA Lumana Africa d'être une formation mue par des considérations subjectivistes. Son leader l'a clairement démontré en prenant la décision historique de soutenir la candidature de Issoufou Mahamadou. Les résultats du scrutin du deuxième tour sont là pour le prouver. Le moderne FA Lumana Africa réitère à nos compatriotes les convictions nationalistes et démocratiques du président Hamma, clairement exprimées à travers le parcours sociopolitique et administratif, qu'aucun ragot, qu'aucune affabulation ne saura jamais ternir. Le moderne FA Lumana interpelle le président de la République sur sa responsabilité relativement aux propos ethnocentristes et agissements des membres du gouvernement dont les comportements Batanger compromettent gravement la paix et la quiétude sociale. Le moderne FA Lumana l'invite à arrêter l'escalade de la provocation et de la violence pour œuvrer à la résolution des grands enjeux du moment auxquels lui et son gouvernement se sont engagés. Au plan des libertés publiques, malgré le droit à l'expression consacré par la Constitution, et nonobstant la dépénalisation des délits commis par voie de presse et la signature de la montagne de la table, autour de laquelle grand bruit a été entretenu pour donner du président Issoufou une image qu'il n'entretient qu'en public pour les besoins d'un populisme de mauvaise aloi, 6 journalistes, un acteur politique et 2 acteurs de la société civile ont été récemment interpellés et gardés à vue dans les locaux de la police judiciaire pour des motifs fallacieux, même si, de l'avis de Massoudou Hassoumi, c'est juste un avertissement pour qu'il se taise. Après sa sortie médiatique extrêmement dangereuse pour la cohésion sociale et l'unité nationale, Massoudou Hassoumi est désormais disqualifié pour faire partie d'un gouvernement républicain. Le moderne FA Lumana Africa exige purement et simplement son départ et tient à affirmer toute sa détermination pour y parvenir. En attendant, notre parti a décidé de porter plainte instamment. Les structures du parti à tous les niveaux sont instruites pour rester mobilisées et prêtes à répondre à tout moment au mot d'ordre du parti. Place à présent à la partie magazine de ce journal. L'ancien président de la République, Tanja Amadou, s'est enfin prononcé sur l'affaire dite de 400 milliards de francs CFA qu'il aurait laissé dans les caisses de l'État. Le président Tanja Amadou a annoncé le lieu où se trouvent ces 400 milliards de francs CFA. Bonne réception. Tun wancan lokacin ba a ji kayi magana ba, yau kayi niyan za ka ɗanyi bayani kaɗan game da ɗincece kuce da ake yi a kan wannan abubuwan da ka bari wanda ya zamanto yau ya tada hankalin mutane. Shin yaya gaskiyar lamarin yake? Na gode kuma ku da kun ka zo, ina muku godiya dan alhamdulillahi a haƙuri yau da gobe zai kawo komi da komi. A shekara fudun nan da an kai yanda kake fadi, fakat ban yi magana da kowa ba a cikin sha'anin wato siyasa, kuma akan sha'anin aiki na shekara 10 da nayi, don dai kawai ai shiru don a bar mahukunta su yi aikin su. Kuma amma yau abubuwa ne sun ka kawo
maganan da zan yi a yau kuma magana na kalilan ne ba mai yawa bane banna bajewa zan gaya muku kadan akan sha'anin wannan zancen kudade da suke rudani to wannan zancen jama'a ta kwantar da hankalinta don wato ni din nan in na fadi wani abu to fakat ina da abun a hannuna kuma na gutsura wannan in fadi ina zaune a cikin gidana a cikin office dina nan kuma a cikin falo na anan abokan mu yan jam'iyyar tamu ta MNSD sun ka taru sun ka zo daga kasar Tawa don a gaya musu gaskiya fisabilillahi suna so su ji mu din nan a shekara goma ana cewa ba mu yi aiki ba ana watsa shi a daji kuma da saura abubuwan da suke so su ji an gaya musu su ji dadi an san koma gida waɗanda sun ka aiko su su samu cikakken labari an wato kun yi magana da shi Muhammadu Tanja kun samu ganin sa kun yi masa tambayoyin ya bada muku amsawa dan muna so ma mu ji dan murya kadan muryar naka dan in ba mu kai muryar ba cewa suke kariya ne ba mu je ba mu zo ba nan gurin naka to nace ban ni da abun magana anan amman zan yi magana dai hakan nan kuma zamani wani iya da salila nashi a cikin su don mutum 70 ne kowane department 10 gida 7 shine mutum 70 sun ka zo gaba daya don kowa ya koma da cikakkun labari akan wannan zancen da ake ba a yi aiki ba to nace musu hankalinku ya kwanta ni nayi aiki a shekaran nan nawa goma amman zan gutsura muku kadan a cikin abin sha'anin arzikin da ake bai cewa kudi miliyar kusan 400 wannan abun muna so mu ji cikin sa sosai to nace musu ni mai jayowa ne na baya in jawo shi tsofon abu in kawo shi kusa a cikin wato aiki na president ko Allah zai ban sa'a wannan tsofon abun
jawo shi yazo kusa ko na samu sa'al in yi shi don kasar Niger kwalolin sa yawa gare su ko wani shekara ana kukan ci maka kullun cewa ake kasar mu cikin yunwa muke kullun to ni na ce tunda yake akwai waɗanda sun karigaye mu yau shekara 84 ake nema yanda za a yi ayi tattalin kuɗi ishe su wanda za su iya su taimaka don a kori yunwa daga ƙasar mu hal abada ba don yau ba ba don gobe ba don in na tsaya na yi lissafi yan Niger yanzu da muke magana nan akwai waɗanda ba su san abin da za su ci in an juma da safe da sun ka tashi ba mu sani ba ko sun ci ko ba su ci ba kuma marice ba mu sani ba abin da kuma za su ci su da kansu ba su sani ba to ziddin alena ana haka wannan abu ban masun sa sam kuma fatan Allah da muke Allah ubangiji ya kiyaye yan Niger da sha'anin yunwa wannan din a tabbata masa dare da rana a kunshi to shine sai tunda yake na baya nisa na jawo proje mai sunan kandaji ina so a taimake ni albarkacin waɗanda suke da hannu da shauni a tara mun kuɗi isheshe a yi wato babban dam ɗin nan wanda kowane shekara yan Niger su yi aiki a bunƙasa abinci wannan dam muna so ta zama dam ɗin da yake kaman dubbayen eta eta wanda ake zuwa a yi aiki duk yan Niger a yi abinci isheshe kuma albarkacin damana abin da ya samu in hada da haka to insha Allahu mun rage yunwa kenan a ƙasarmu yau da gobe akwai wasu kuma irin wannan abubuwa wanda za a zo inda yau da gobe maza suna da niyyar yanda nike faɗin nan a ci gaba wani guri ma kuma a yi babba irin wannan yawa to sai kuna ji wata shekara an yi taro a duwa to bayan wannan taron daga baya an koma Jadda a Inuwal Banki Islamiya na Development masu hannu da shuni an gayyace su su zo
don wato ga kasan musulmi guda can iya cikin wahala a taimake shi ya samu ya fita cikin sha'anin yinwa wannan masu hannu da shuni kowane ne ya faɗi abinda zai iya ya kawo don a tara isasshen kuɗi a samu dam ɗin nan a yi shi kuma duk bayan eta a yi ta a bunƙasa su yan Niger su yi aiki su ci da kansu da kansu kuma a sa mana turbin ana cewa turbin wai albarkacin ruwa a samu isasshen lantarki don wato muna cikin sha'anin lantarki a nan ƙasar mu shi ma babban wahala guda to Allah sai ya sa an ka tara kuɗi a can isasshen kuɗi waɗanda za mu iya albarkacin su mu yi dam ɗin nan mu samu abin da muke so ukun nan da na faɗi kuma na biyu duka abin da yanayi Niger a shekara goma abu ɗaya ne nike ɗaukawa saura duka na barbanna maganansa sam wannan ko shine sha'anin abinci na yan Niger dare da rana yanda yan Niger Allah ya raba su da sha'anin yunwa yau da kullun da nazo dauka mulki to ban iske buhu daya ba a cikin duka sato din OPVN wanda Allahu akbar muna tune don menene an kai OPVN din nan babu hu daya yau to sai na mai da karfi na dukka wajen wannan OPVN a samu abinci a ko ina a shimfida shi hal ma a yi gini hal zuwa Jado a Jadon ma akwai magazin din OPVN a kai musu abinci ko ina yake dan wato yinwa ta fita ga salmu yawwa OPVN din nan mun kai kokari ya kai kaman ton 130 duk sato din mu sun cika hal ma an so mu sa tanti waje ana saya ana sa ana dora tanti kuma akwai ajiyar kuɗi ta OPVN ta miliyar 11 kuɗi ne iya nan ko in OPVN iya so ya ƙara bismillah ga kuɗi sai a yi ta saye a wajen talakawanmu kuma a saye shi da daraja a saida musu ran da suke so da rangumi dan wato shine ni siyasa na wanda ake cewa development alabaz an ina siya kayan ka in saye shi da tsada an kana son kayan in ka zo in saida maka shi da arha kaje ka ci da gidanka kenan wato arzikin ƙasa a raba kowane ne inda yake dan ƙasa
rabon sai aka yi masa shi albarkacin irin waɗannan abubuwa. To wannan masu sai da wake ana sai buhunsu a lokacin jika goma halma jika takwas na ce tun da yake duk kowane ne yake aiki a cikin ƙasarmu ya kamata a girmama masa aikinsa a sa kuɗi ya ji daɗi na sa kuɗi wannan waken mun ka saya kaman ton 35,000 zuwa 40 a tara a ba su kuɗi kaman wato buhu ɗaya da ake saya da jika 8-10-11 mu kai shi jika 25 a bai ma talakawa don rabonsu a cikin wato arzikin ƙasa da haka ake ba su shi wannan waken na fitarwa ne a sayar da shi ƙasan waje a samu kuɗi wanda kuma baɗi in ya so ma za a ƙara musu kuɗi a kan 25 don dai wato gidaje 'yan ƙasa daga ko'ina kake in dai kana aiki insha Allahu za ka ji rayuwa daɗin rayuwa a cikin ƙasarka. To banda shi na ce ya kamata a taro kayan aiki na noma a bunƙasa noma a kawo tractor a kawo wasu waɗanda suke aiki cikin cinkafa wanda ake ce motoculture a kawo inji iri-iri na niƙa don mata su kuma akwai kamfanin su can mai sunan Kaiman Central da Provisionnement su ma daga can su kawo abin da zai taimaka ma manoma abin ce ya taru sosai a ƙasar. To waɗannan kuɗaɗen muna zancen miliyar kusan 400 ko na ce kusan 400 ban ce ba 400 chop don wato kusan 400 daban ne. Allah da abinsa masu hannu da shuni sun tara kamar miliyar 300 a bankin Jadda, bankin Islamiyya ta development suna Jadda ba a aljihu na suke wa gindin gado na suke ba Jadda suke. Na biyu kenan wato kusan miliyar 100 ne za a bada lissafin su inda suke. To shi ne a duba waɗannan abubuwa na OPVN da abinda suke taimaka duka a kayayyakin noma da suke Central da Provisionnement kawai waɗannan a yi min su jimillansu kuma a haɗa duka mu gani in ba maganan da nake cewa in ba haka ba ne. To wannan a nan cikin gidana
anan cikin office dina anan cikin falo na mun kai magana da mutanen jam'iyyar mu da sun ka zo daga tawa mun ka tabbata musu mun yi aiki don ga guda za mu gutsura a ciki abun da ya shafi kaman wato talaka mutumin karkara duka kuma ba na karkara ba duk yan Niger ko zaman a nan birni yau in buhu an kace hatsi jika 30 ne hankalin mai gida duk tashi kuma wannan din ne mun ka so da an yi abun a hankali sai a kwatanta abun da mun kai wai wannan abun daya na dauka in ana zancen wato aiki tsofin abun na shekara 84 na jawo na kawo don in aikata Allah ya ban sa'a an ka tara kudin komai ya tabbata president din bankin Islamiya na Jadda Muhammad Ali sunansa wata rana sai ya sauko nan yame mu da shi mun kaje can kandaji a kandaji mun ka dora burgin fari dan a soma aikin dam din a fara shi da wuri don wato kudi kaman miliyar 120 sun taru ana iya a soma aiki kuma masu badawa suna kawowa kudi ya kai har miliyar 230 to kuma a rannan din nan sai Allah ya kawo mu rana sai sojawa sun ka zo sun ka sauke ni da kujerana na mulkin kasa to daga nan kenan wato mulkin kasa a hannun su yake ni an yi min kamu kenan wato yanda za a yi yanzu abin da nike fata in ana so a sani jama'a a shekara 10 in mun yi aiki wanda yake da sha'anin arzikin ƙasa sunansa minista na finance a gayyato shi yazo ya zauna ya faɗi ran da mun ka bar an ka bambare mu da mulkin ƙasa a rannan din nawa ne mun ka bari don shi kadai ne ya sani wannan kuma shi kadai ne da yake da hujjan wannan magana ba na president bane president dai gutsurawa yayi kawai abun da ya shafi shi makan nan ƙasa komawa ne wannan shine wannan rudanin duka babu komi ni Muhammadu umban bai ma ƙasa ba banna so na ƙasa don tsoron Allah don kunyan al'umma kudin nan don kunyan bayayuwa don hankalin kowa ya kwanta Muhammadu taru babu shi a gidansa a gindin gadonsa
a bankin waje kuma a bincika duk a duniya in ina da taro a waje na ba su suje su dauka ko ina da taro irin wanda yake da dauda Allahu akbar na maida ma kasa shikenan daman an zo duniya a bautata ma Allah ya baka shugabancin kasa ka bautata musu don gobe Allah ya biya ka wai wato ni hankali na can ne duniya kalilan ne arziki ba komi bane dauda ne gobe abin da nike nema wajen Allah yawa gare shi to dole in bautata ma yan kasa dan Allah ya biya ni gobe kawai shine abin da nike yi kuma Allah shi ya sani amma ni maganar nan da nayi da abokaina da sun ka zo ban yi tsammani ba zai shafi wani bai shafi kowa ba maganar mu na mu ne irin muna zaune muna hira cikin gidana yo kenan wato in binna iya in yi magana cikin gidana cikin office dina cikin falo na da abokaina ina zan je in yi magana ina za a shiga a yi magana ga wannan kuma wannan magana da su sun ka nemi dauka murya ta su maida can gaji inda sun ka fito a tabbata sun yi magana da ni wannan magana na prive ne tsakaninmu ne haka ba wani magana wai a tuta ma yan manya shuma gabanin kasa ko wani abu bai la 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 ban yi komi a cikin wannan ba hira ne ya kawo hira tsakaninmu da mutanen party na kuma daidai ne mutum 70 gaba daya sun ka zo maka sai kai hira da su rai a hankali a kunce su ji dadi shi kuma mutum a cikin irin maganganu manya-manyan nan kaman su man petrol kaman su uranium wannan bayan Allah bai shafe su ba abin da ya shafe su su ji dadi abin da za su ci har kullun dare da rana a cikin gidansu hankalin su ya kwanta to ba a yi shi ba don wani ya yi tsammani ko da shi muke in kuma haka ne to yanzu ina fata ga mahukuntan yanzu a yi audit gaba daya ran da na sauka nawa na bari to wannan arzikin yan kasa ne ba nawa bane ban dauka ko taro a ciki ba audit din nan muna fatanta a yi ta dan yan kasa su san abin da na bar musu kuma Allah ma iya san haka dan kabin in hau kujeran mulkin kasa sai da na saba laya to ina tsoron laya ya kamata da a lokaci in gaya musu abin da na bari amma wato ban ni da huja a lokacin su da sun ka dauka su yayi kamata su ce ga abin da an ka bari ga abin da mun ka iske ni da nazo aiki na na fari sai da an kai min bincike sosai an kai tattalin arzikin kasa duk daga Bilma zuwa Tera daga Arli zuwa Gaya an ka ce mun ga abin da mun ka iske miliyan 600 ko da 30
koda 50 ne to shine an ka iski wannan ya kamata ni ma da na sauka a gaya ma al'umma abin da na bari waɗanda sun ka canje ni aikin farko da ya kamata su gaya ma al'umman Niger ga abin da president Tanja ya bari a ranan da mun ka sauke shi shine daidai ko ba shi bane haka nan ne don tilas ne yan kasa su san arzikin su to don wannan ne nace zan gutsura kadan ayi magana hankulan al'umma ya kwanta don an tada hankulan jama'a kware da ganiya ko ina telefon ake cewa ake lafiya lafiya kuna nan to ai da Hausa muna ganewa abun hankalinka ya kwanta irin waɗannan kudaden ba a dauko su daga can a kawo a sa muku su anan can suke ai amanal bankin Islamiya an ka bai ma ita dai kamata in ana aiki anan in lokacin biyan abun ya zo wannan akwai komishina anan wanda yake biye da baraji din komishina sai ya yarda da aikin da an ka yi kuma sai ya sa hannu kan takardal ya kawo ma minista na plan ko na finance ne shi kuma ya sa hannu sai ya aika can inda kudin suke aje kuma sai a bashi a biya su su ci gaba da aiki amma suna aikowa inspector su zo su ga aikin in daidai ne dan wato a ci gaba da aiki haka in ba daidai bane a sai su daina Sai su daina. Kudin nan da ake babatu a kansa in ana son su ga hanyoyin inda suke kuma in ana so a sani duk arzikin da a lokacin mu na shekara 10 da mun ka bari ranan da an ka sauke mu daga kujeran mulkin kasa a kirawo minista na finance na lokaci na yazo ya zauna ya ga ma yan kasa ga abin da mun ka bari ran da an ka sauke mu